Bienvenue à toi dans la première séance de African Pretty Girl. Comme vous pouvez le constater, je suis une fan de foulard et aujourd'hui je viens vous présenter ma technique pour nouer un foulard à la nigérienne. Avant tout, je t'invite à t'abonner à notre page Facebook Pretty Melanin et à notre chaîne YouTube Pretty Melanin. Dans les deux comptes, nous partageons très fréquemment des contenus qui vont t'édifier et t'inspirer. Rejoins-nous pour ne rien rater. Pour réaliser ce que vous voyez sur les photos, nous aurons juste besoin de deux matériels. Un foulard très large, tout type de tissu, et de l'élastique pour tenir nos cheveux si vous avez une coiffure. Si vous êtes prête, commençons. Alors, la première étape, c'est tenir ses cheveux en arrière. Plier notre foulard ou votre tissu par la diagonale, ce qui va vous créer un triangle. Vous allez tenir le côté le plus large et le sommet du triangle, vous allez le laisser pendre. Vous allez passer votre foulard, votre tissu comme vous voyez là, et vous allez faire un pli à l'avant sur le front qui sera très très utile pour la tenue de cette coupe. Donc en 5, vous allez devoir faire un nœud en arrière avec les deux plus longs bouts de votre tissu. Si votre tissu est plus grand que le mien, c'est encore parfait. Donc je me rassure bien que je serre. Voilà, nous avons trois bouts qui pendent, deux longs bouts de même taille et le sommet du triangle qui se trouve au niveau de mon cou. Donc je prends un bout et je vais l'insérer dans le pli que j'ai formé au début au niveau de mon front, au niveau de l'avant de la tache. Vous voyez, vous n'allez pas insérer totalement, vous insérez peut-être au niveau de deux endroits, le bout et peut-être le milieu. Voilà, j'insère le milieu. Après, je vais insérer le bout de l'autre. Voilà, je tire un peu mon foulard en arrière parce qu'il ne doit pas être sur le front. On doit avoir un peu le début des baby hair. Et maintenant, il me reste le troisième bout qui pendait au niveau du cou que je viens insérer sur le côté. Voilà, la coiffure a été réalisée. Là, je fais juste la mise en forme. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas aussi gigantesque que les foulards préconçus que l'on vend à la nigérienne. Celui-ci, il est fait à la main. Vous pouvez le faire avec un tissu plus large, il sera encore plus beau. Plus vous laissez le tissu pendre, plus ça crée ces vagues-là qui font toute sa beauté. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que ça doit inspirer les autres. Et abonnez-vous à la page Pretty Melanin, abonnez-vous à la chaîne Pretty Melanin sur YouTube. Mettez un pouce sur YouTube pour que la vidéo soit bien recommandée à tout le monde. Et nous nous revoyons la semaine prochaine pour une prochaine édition. Bye! Je suis trop contente de cette coupe-là en fait. Quand je la réalise, je me sens trop belle à l'intérieur. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi là, je l'adore, je la kiffe à fond. Donc, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Avec Pretty Melanin, la beauté se contrôle.